Voilà, de la fenêtre de ma maman, destruction du bâtiment. Il y a pas mal de photos, là on le voit en direct. C'est impressionnant quand même. Moi j'habitais là quand j'étais petite. Vous voyez, j'avais cette vue de cette fenêtre. Voilà. Vraiment impressionnant. Et si on voit quelque chose. C'est sympa. J'aimais bien quand j'étais petite. Là, c'est les dunes là-haut. Je ne sais pas si vous voyez les dunes. C'était très très haute. C'était carrément jusqu'en haut des arbres, la dune avant. C'était cool. J'aimais bien. Ben voilà. C'est partager la cité où j'habitais. Mais de l'eau, on dirait aussi. Bizarre. Il n'y aura plus rien, je pense. Les réglages avec Oryx et la première belle trouvaille.
Bon, plus c'est les petites merdes tout à l'heure, hein. Oui, voilà, je vais les montrer après. Et derrière, c'est quoi? Tu peux mettre dans ta main aujourd'hui. Ah, deux fois. Quand ça va pas dans la journée. 1923, elles sont vraiment belles celles-là. On prend une petite photo. Les de l'industrie, ouais. On a trouvé plein. Et là, on va les mettre à la poubelle. Bon, c'est les débuts, hein. Les débuts de l'Orix. Et voilà, avec Rico. Dans le camion, nous on fait dodo. On dirait qu'elle est bourrée. C'est Fifi. Voilà comment on fait dodo, nous. Hop. On est repassé avec les carrettes parce qu'il faut prendre l'habitude avec l'Oryx. Le carrette, il trouve des bonnes choses. Voilà, voilà. Une belle hache. Oh, ça c'est joli. Ah ouais, ça c'est des super belles pièces, ça. Je sais pas si c'est en plastique. En plastique. Non, c'est de l'alu. Ouais, mais... Et voilà. Ouais, c'est une affront. 1943. Attends, je vais pas faire le point. Voilà, elles sont belles celles-ci. Tu peux la mettre dans ta main. Voilà, on s'est mis à l'abri parce qu'il y a des giboulées, des grillons, des petits grillons. Bah, avec Rico. Mmh. Et Fifi. Mmh. Et Nanel. Là, il est où le deuxième arc-en-ciel, tu m'as dit? Mmh. Oh, il était là-bas. Bon, je ne sais pas si on le voit. Non, on voit pas trop. On voit qu'à l'œil nu, c'est marrant. Oh, c'était de passage, quoi. Une bonne averse, quoi, pour se mouiller, quoi. C'est magique ici, hein, je trouve. Ah, ce sont des pièces. Oh, c'est un bel objet, hein. De retour avec le Garrett, parce que. Hein, ouais, voilà, on verra pour l'Oryx après, il faut s'habituer. Tout simplement, il y a des réglages et tout, c'est normal, hein. Ouais. Mais avec le Garrett, on a tellement l'habitude de, ouais, de trouver des bons trucs. Là, c'est joli. C'est quoi? Ça sert pour la pêche, hein, sûrement. Je sais pas, ouais, sûrement, ouais. Parce que c'est une tête de poisson. Ça, ouais, ressemble bien, en tout cas. Comment c'est joli? Ouais, c'est sûr. C'est lourd, en plus. Ouais. Oh, ça doit être une tête d'un appât ou un truc comme ça, ça. Un plomb, ouais, encore. Non, c'est pas aussi lourd qu'un plomb. C'est cool, hein, quand même. Toujours dans un lieu magnifique. On avec, a déjà partagé en vidéo. Ouais, voilà, avec les bourgeons. Ça commence à pousser. Ça sent bon. Sur le sol pleureur, là. C'est trop bien. On est stationné là-bas. Il fait très noir, mais bon. Nickel, hein. Même qu'il pleut, ça peut être une très belle journée aussi qui s'annonce. Voilà, autre trouvaille. Voilà, ça sonnait comme pièce. C'est un truc pour les cigarettes, enfin les trucs. Ouais, je sais pas. Ou une douille ou quoi. Non, c'est pas. Voilà, ça doit être percé là. Ah oui, bon, une poubelle, on va pas ouais, bah, ouais, nettoyer.